On a beaucoup pensé que la fatigue était parallèle à la maladie, à l'inflammation et à la douleur. Et il y a une étude de la faculté de médecine de Harvard qui vient de sortir récemment, c'était en août 14, vous voyez, donc c'est du tout récent, qui montre qu'en fait, la fatigue a continué à évoluer alors que les patients étaient déjà complètement stabilisés. Comme s'il y avait eu, et donc je pense qu'il y en a parmi vous qui sont comme ça, qui ont une polyarthrite qui va finalement pas si mal que ça, mais qui continuent à ressentir cette fatigue plus ou moins intense en fonction des cas. Comme s'il s'était passé quelque chose dans l'organisme qui avait déréglé l'autre mécanisme de contrôle de la douleur. Donc le patient va bien, la polyarthrite, il n'y a plus d'inflammation, la CRP est bonne, tout est bon, tout baigne, il n'y a pas d'érosion, tout va bien, mais le patient continue à se sentir fatigué, exactement comme dans la fibromyalgie. Vous avez entendu parler de la fibromyalgie? Ben, c'est exactement la même chose. Les patients continuent à souffrir, à avoir un mauvais état général, pas de santé physique, mais de santé psychologique, de tonus, comme dans une fibromyalgie. Et à propos de cette fibromyalgie, parce qu'on a parlé du sommeil à plusieurs reprises, il y a une étude, un truc intéressant qui avait été fait par les Américains quand on a commencé à parler de la fibromyalgie, donc il y a à peu près une vingtaine d'années. Ils ont pris des GIs en pleine forme, qui n'avaient aucune douleur, rien. Vous savez, les beaux soldats américains, bien baraqués, tout comme il faut, ils allaient bien, en pleine forme, et on les a privés de sommeil. Pendant 3 semaines, on les a réveillés toutes les nuits, plusieurs fois. Et au bout de 3 semaines, ils ont développé un syndrome douloureux chronique exactement comme la fibromyalgie, exactement les mêmes douleurs qu'un fibromyalgique. Et puis on les a laissés redormir, ils ont mis plusieurs mois à récupérer un sommeil correct, et au fur et à mesure que leur sommeil a récupéré, leurs douleurs se sont atténuées progressivement. Donc la qualité du sommeil, c'est quelque chose de fondamental, dans laquelle la sophrologie a certainement un rôle à jouer aussi d'ailleurs. Voilà. Merci pour le complément d'information. Pour revenir donc à notre fatigue, Monsieur Piat, y a-t-il, à votre avis, une évaluation suffisante de l'activité physique des patients? Alors, évaluer l'activité physique, ce n'est pas quelque chose de facile. Et suffisamment, je complète, et suffisamment d'incitation à bouger. Et suffisamment d'incitation à bouger. Alors, sur l'évaluation, on peut mesurer plusieurs choses dans l'activité physique. On peut mesurer, on va dire, l'activité globale, c'est-à-dire qu'on peut vous interroger, il y a des questionnaires pour ça, sur le nombre de la distance qui est parcourue, sur le type d'activité que vous avez, sur les escaliers que vous montez ou vous descendez, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée assez globale de ce que vous faites dans une journée. Après, on peut mesurer des choses plus précises chez vous, des paramètres fonctionnels plus précises. Par exemple, on peut mesurer votre performance d'endurance, c'est-à-dire à quel degré d'endurance vous êtes. Et là, on touche du doigt un problème parce que pour mesurer votre endurance, il existe des tests, il y a des épreuves qui sont faites, mais en général, les épreuves sont faites pour des gens qui ne sont pas douloureux ou en tout cas n'ont pas de problème qui pourrait leur interdire en particulier de se servir très librement des membres inférieurs, puisque c'est cela qu'on va utiliser en général pour mesurer cette endurance. Donc ça pose un problème. Et actuellement, dans les outils qui sont à notre disposition, on n'en a pas vraiment, en fait, sur lequel on puisse s'appuyer et qui soit véritablement fiable. C'est-à-dire qui donne un résultat stable. Si on passe 2 fois le même test, est-ce qu'on a 2 fois le même résultat? Ben, ce n'est pas si sûr. On avait travaillé avec le service de rhumatologie de Rennes il y a quelques années sur l'expérimentation d'un test. Ça s'appelle, alors c'est un terme anglais, c'est le self-paced step test, c'est-à-dire qu'on vous donne 2 marches à monter et à descendre, et vous devez le faire 20 fois, et on va vous prendre votre rythme cardiaque au départ, votre rythme cardiaque à la fin de l'épreuve, et le temps que vous avez mis pour pouvoir monter et descendre. Alors c'est un test qui est un petit peu original par rapport aux autres, parce que la plupart du temps, ces tests-là, on vous donne un rythme que vous devez suivre. Et là, en fait, c'est un rythme complètement libre, c'est-à-dire vous le faites en fonction de vos possibilités, et c'est le temps, en fait, que vous allez mettre pour faire ce test qui va être pris pour calculer ce qu'on va appeler le VO2 max, c'est-à-dire le marqueur qui témoigne de votre qualité d'endurance. Le seul problème, c'est qu'on avait fait un test avec l'association de Bretagne, avec tous les polyarthritiques donc, qui s'étaient volontiers prêtés au test. La faisabilité était plutôt bonne et le calcul du VO2 max derrière, donc théorique, était, on va dire, plutôt logique.
La deuxième stade pour valider un test comme celui-là, c'est de le valider, c'est-à-dire qu'il faut le comparer à un autre test pour savoir si le résultat qu'il renvoie est bien le bon résultat, s'il n'y a pas une surestimation, une sous-estimation, c'est-à-dire si le chiffre qu'il renvoie est plutôt le bon. Et là, eh ben on n'a pas finalisé la chose, puisque c'est extrêmement compliqué. Il faut avoir un pool de personnes disponibles pour passer deux tests, et capable de passer deux tests, à la fois celui-là, et puis un autre qui va être, lui, beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qui va faire appel, on va dire, un test classique, dont on sait qu'il renvoie la vraie valeur, celui-là. Et donc, il va falloir faire les deux, comparer les deux tests, et puis voir s'ils sont en accord les uns avec les autres pour pouvoir valider le deuxième. Et là, on n'en est pas arrivé. Donc, pour l'instant, par exemple, sur cette fonction-là, en fait, on n'a pas d'outils véritablement fiable sur lequel on puisse s'appuyer pour le mesurer. Et pourtant, on sait qu'il serait intéressant parce que cette capacité d'endurance que vous avez, c'est un marqueur en fait très important de votre capacité physique. C'est-à-dire que c'est finalement votre machine énergétique, la machine énergétique du corps humain, donc celui qui va fournir l'énergie pour tout faire, pour se mouvoir, pour digérer, etc. Et cette machine énergétique, on a besoin de savoir à quel niveau elle est pour savoir si vous avez vraiment un besoin important de pouvoir la réentraîner, c'est-à-dire si on doit axer l'activité physique plutôt dans cette direction, ou si finalement, vous êtes, si la personne est plutôt de bon niveau, et à ce moment-là, on peut axer l'activité physique sur d'autres domaines. Et cette fonction, elle a un côté très héréditaire, donc il y a certaines personnes en fait, qui n'ont besoin pas forcément de beaucoup d'entraînement parce qu'elles bénéficient d'une hérédité qui est plutôt favorable, alors que d'autres ont plutôt besoin d'un entraînement régulier et on va dire plus important parce qu'ils n'ont pas hérité de cette capacité, donc ils doivent faire très attention à cette valeur. Alors ça, c'est valable pour tout le monde, hein, ce côté héréditaire, il est valable pour tout le monde. Vous savez que vous avez des enfants qui sont très endurants, d'autres qui ne le sont pas, très spontanément. Et puis après, il y a le côté héréditaire, puis il y a le côté travail derrière, entraînement qu'on peut avoir. Et ça, c'est important. Pour ce qui est de l'évaluation de la force musculaire, ça, elle est plutôt facile à faire. Ça se fait avec des dynamomètres, donc on peut très facilement le mesurer. Et en plus, on a des bases de données internationales sur les valeurs attendues, c'est-à-dire qu'en fonction que vous soyez un homme ou une femme, que vous, de votre âge, eh bien, sur chaque grosse musculaire, en fait, on a, on va dire, une fourchette dans laquelle on attend les personnes. C'est-à-dire 95% des personnes se situent dans cette fourchette-là. Et là, ça nous permet de savoir... si les personnes sortent de cette fourchette et à ce moment-là, il y a un impératif à pouvoir travailler, ou alors si c'est dans la fourchette et c'est pareil, c'est pas à ce moment-là un point important à travailler, c'est pas un axe qu'on peut sur lequel il faut se pencher, mais on peut le laisser. Donc l'évaluation, elle va permettre d'orienter le type d'activité physique, c'est-à-dire de choisir aussi son type d'activité en disant c'est plus dans l'endurance qu'il faut que je travaille parce que là c'est plutôt mon point faible, ou alors c'est plus dans la force, ou alors c'est plus dans l'étirement, c'est-à-dire en mesurant les différentes qualités de l'activité physique, on arrive à moduler un petit peu le type d'activité que chaque personne peut avoir. Pour ce qui est de l'encouragement, alors je parle pour moi et puis pour les médecins dans lesquels je travaille, je pense que oui. J'allais dire, elle est même presque mieux faite que pour tout le monde, parce que bouger, faire de l'activité physique, c'est, vous le savez bien, hein, vous l'entendez en boucle un petit peu sur la radio et sur la télévision, c'est quelque chose qui intervient beaucoup dans la santé et quels que soient les individus. J'ai l'impression, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que pour ce qui est des maladies inflammatoires chroniques, le message est plus clair. Et il fait partie des préoccupations assez rapidement en fait, de la part des équipes médicales en disant bah, « ça c'est un point important ». Et on passe plutôt du conseil, chez quelqu'un qui n'a pas une maladie inflammatoire, c'est plutôt le conseil, bouger, ça va vous faire du bien, et puis ça s'arrête là. En général, c'est le conseil qui s'arrête là et qui tombe assez rapidement à l'eau, parce qu'il ne se passe rien derrière. Alors que là, il y a une véritable volonté de dire, on va le prendre en charge, on va s'en occuper, on va essayer de faire tomber les obstacles, de trouver sa voie, d'évaluer, etc. Et là, on a une meilleure prise en charge. Et je parle juste pour ma région et les gens avec lesquels je travaille, parce que sinon, je ne sais pas le reste du temps comment ça peut se passer. Oui, un tout petit complément d'information. Tout à l'heure, on parlait de la sophrologie. De nombreuses personnes vont aussi avoir une forme d'appréhension
à bouger, à reprendre une activité. Et puis quand on arrive dans le temps et qu'on n'a jamais ou qu'on a fait de l'activité il y a très très longtemps, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Tout à l'heure, je vous parlais au niveau des techniques de sophrologie, de ce que l'on appelle nous la relaxation dynamique. Il s'agit bien de petits exercices qui sont à la portée de tout le monde, puisque en sophrologie, on s'adapte à la personne et la personne va s'adapter à sa maladie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de course, il n'y a pas d'exercice bien réussi ou mal réussi. Et dans cette reprise et dans cette mise à l'activité, ça peut être très intéressant parce qu'on a du cours de groupe. En sophrologie, on fait du cours de groupe, on fait de la prise individuelle. Ça peut être intéressant justement parce que ça permet de remettre le corps en mouvement doucement, un peu comme le tai chi. On va reprendre des exercices qui sont très calmes et très posés et qui peuvent aider les personnes à se remettre à l'activité, à reprendre confiance pour pouvoir après aborder une activité physique un petit peu plus sportive, on dirait. Avez-vous quelque chose à ajouter, docteur? Non, les patients sont très... D'abord, les problèmes de mobilité sur les nouvelles polyarthrites, on les rencontre moins puisque les patients vont beaucoup mieux. Donc, une polyarthrite que je suis depuis 3 ans ne va pas être la même polyarthrite que celle que je suis depuis 25-30 ans et qui a déjà eu des dégâts anatomiques. Donc, le problème se pose, Dieu merci, un petit peu moins. Cela dit, ce ne sont pas tellement les médecins qui stimulent les patients, ce sont les patients qui nous poussent aux questions. Ce sont les patients qui nous disent qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'ai le droit d'eux, etc. Et c'est là qu'on doit savoir qu'effectivement, et on reprend le thème depuis le début, vous devez bouger, vous devez faire ce que vos articulations, vos douleurs vous permettent de faire, sans forcer trop, mais sans non plus se dire « aïe, 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 j'ai un tout petit peu mal, donc j'arrête ». Il faut trouver un juste milieu entre le rien et le trop. Mais les patients sont là, de ce point de vue-là, déjà un petit peu plus offensifs que nous. Ils sont déjà beaucoup plus demandeurs. Donc le problème en consultation actuellement se pose beaucoup moins qu'avant. Enfin, c'est mon impression. Donc, en conclusion, il n'y a pas de solution miracle contre la douleur et la fatigue, mais elles ne sont pas non plus une fatalité. Pour améliorer ou pour obtenir une amélioration sensible, il faut le plus souvent allier les compétences et organiser du sur-mesure en fonction de la situation de chacun. Troisième point, la moins bonne solution est de se résigner et ne rien faire, alors que les moyens thérapeutiques existent et ainsi que les compétences. Donc, c'est à vous de les faire jouer ensemble. En résumé, pour la douleur et la fatigue, c'est vous le chef d'orchestre. Donc, bon courage et à vous de jouer. Je voudrais remercier nos invités pour leur aimable participation. Merci beaucoup.